J'ai fait 4 foyers et une vingtaine de familles d'accueil entre mes 13 ans et mes 21 ans. Les familles d'accueil que j'ai faites, c'était pas des familles officielles, en fait, c'était des parents d'amis qui acceptaient de me prendre 2 mois ici, et puis une semaine là, et puis 2 jours ici, et repartir 1 mois de l'autre côté, quoi. Donc d'abord, c'était ça. Et puis les services de l'enfance ont décidé à mes 17 ans et demi de me mettre dans un foyer. Et en fait, à mes 18 ans, ils m'ont viré du foyer parce que j'étais, je cite, trop autonome et que je prenais la place de gens qui étaient vraiment plus dans le besoin, alors que j'avais pas d'argent, j'avais rien du tout. Et donc, j'ai dû. Déjà, j'ai commencé à travailler, j'avais 13 ans, donc j'ai travaillé déjà toute ma vie, mais j'ai dû en fait tout simplement quitter le lycée, donc j'ai jamais été en terminale de ma vie parce que je travaillais la nuit en boîte de nuit pour pouvoir subvenir à mes besoins, et bah, la journée, j'allais au lycée, c'était pas possible, quoi.